Wesh mon gars, tu dis qu'on doit être discret, mais au final tu parles à tout le monde. T'en hop, clairement. Et clairement c'est un menteur parce qu'il a, c'est sûr qu'il a envoyé venir te parler. Wesh, tu crois que. Wesh. Salut, 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 salut. Wesh les peuples, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit haul. Il y a un de Shein. C'est plus un 100 euros. Ça vaut quoi sur Shein? Parce qu'au début, j'ai commandé. Ça m'a fait à peu près 130 et quelques. J'ai eu une petite réduction. Enfin, j'ai eu, il y a toujours les codes promo sur Shein. Moins de 100 euros. Donc, quand je vous dis moins de 100 euros, on est vraiment à 98,33. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je trouve qu'il n'y a pas assez de haul Shein. Donc, pour les gars, normalement, vous aurez tous les articles sur un côté de la vidéo. Je pense que de ce côté-là, il y aura normalement tous les liens en barre d'infos s'ils sont disponibles. En tout cas, normalement la livraison elle prend moins de 10 jours. Moi, ma semaine où j'ai commandé, il y a eu un problème sur la plateforme, donc du coup j'ai reçu en 12 jours. Ça va, c'est pas trop dramatique, mais du coup voilà, vraiment c'est assez rapide. C'est en même temps un crash test. Vous connaissez du coup la jumelle, je pense que dans le petit i il y aura une petite vidéo avec elle. Elle a déjà testé Shein, c'est sûr, mais moi je voulais vraiment tester Shein parce qu'en fait on voit pas beaucoup de haul pour les gars sur les réseaux. En fait, du coup je vais tester ça avec vous tout simplement, donc c'est parti. T'es mal gros couille, wesh. Qu'est-ce que j'ai enlevé, foutière? Excusez-moi, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai investi, j'ai acheté un petit micro, Théma. Ah, j'étais content. J'espère que le haul il va vous plaire. Ça gratte, hein. Ça, c'est Shein, vous connaissez déjà. Je vous apprends rien. Donc, c'est un. Oh, ah, c'est le jogging marron. Ok, d'accord. Donc, un petit jogging marron. Est-ce qu'il a des lacets? Il a pas de lacets. Bon, moi j'ai pris du M, donc je fais 1m75 et je fais 64,2 kg. Au cas où ça vous intéresse. Enfin bref, du coup, ben voilà, un petit jogging marron, il est bien. Je sais pas si, non, c'est un jogging droit et il est pas du tout resserré en bas, donc comme ça il va bien tomber sur la chaussure. Donc de base, il était à 13,49€ et il m'est revenu à 10,12€. Ça va, un jogging à 10,12€. Tranquille. Du coup, deuxième article, on a quoi? C'est quoi ça? Parce que j'ai pas voulu ouvrir le colis avant. Parce que ça fait quoi? 3-4 jours que je l'ai reçu le colis. Un truc comme ça. Je voulais tout ouvrir avec vous, quoi. J'espère qu'il y aura pas trop de bruit de plastique, vraiment. Donc ensuite, on a un petit sweat marron. Un joli marron chocolat qui est énervé, qui est magnifique et trop beau. Wesh. C'est la première fois que je commande Shein, hein. Je vous le redis encore. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, tu connais. Si je l'ai pris en M aussi. Pourquoi il est taché? Pourquoi il y a deux taches? Vous avez bien vu, j'ai viens de retirer du plastique. Ouais, deux tâches. Shein, on va se voir. Hein. Ça s'en va. C'est pas une tâche tachée, vous avez capté. Je l'ai pris en M, celui-ci aussi. Je crois que j'ai tout pris en M. Comme ça, j'étais sûr que je voulais faire un style un peu oversize. Et au moins, j'étais sûr que ça allait pas être trop petit. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais même prendre du L de base. Mais après, quand je me suis mesuré, j'ai vu. Mon gars, déconne pas. D'accord? Déconne pas. Je vous avouerai que sur le site, il est pas très. Je pense que je vais vous montrer la photo dans tous les cas. Il est pas. Genre, quand tu le vois, c'est un marron, vraiment un marron chocolat, genre foncé. Et tu vois même pas le même marron qu'en vrai. Genre, il est beaucoup plus beau en vrai, je trouve. Parce que limite, ça faisait un marron tellement noir que. Ouais, ça faisait un marron noir, quoi. Genre, chocolat noir, tu connais 80% de cacao. Enfin bref, de base, il m'a coûté 4,99€ et on est à 10,50€ avec la réduction. Troisième article. C'est quoi ça? Ah. Je suis déçu. En fait, deux premiers articles. Mais ça se voit que c'est des matières vraiment épaisses. Genre, ça se voit. Tu vois, c'est un vrai truc. Tu vois, c'est une bonne matière. Mais là, exemple, c'est un t-shirt. Il est pas épais. Après, je sais pas comment la tenue. Bon, je pense que vous verrez. Donc, vous me direz si vous aimez bien. En M, toujours. Il était à 16,49€ et je l'ai eu à 12,37€. Bon, franchement, pour 16€, je l'aurais pas acheté. Parce que, wesh, on n'a pas envie de mettre des t-shirts ici. Si on commande un suit à capuche, c'est qu'on veut un suit à capuche, en fait, ma belle. Ensuite, on a. Wesh, c'est une blague. Non, je suis pas forcément déçu, mais moi quand j'achète un sweat, un sweat à capuche, un ensemble de jogging, bref, une matière jogging, je veux que ce soit du coton, t'as capté, et je veux qu'il soit épais. Trop c'est trop. On peut pas accepter, hein. On peut pas accepter ça, hein. Et ça prend l'humiliation. Enfin, les deux premiers articles, ils étaient carrés, tu vois, le pantalon, le premier sweat marron, il n'y avait pas de problème. Enfin, le jogging, vous avez compris. Enfin, bref. Normalement, il coûtait 14,99€ et je l'ai eu à 11,25€. Je pense qu'il peut faire bien, mais vraiment avoir porté parce que, ben... Après, c'est assez bien comme ça pour cet été, genre si toi, t'as pas... Je sais pas, t'as pas envie de montrer tes bras, t'es froid, mais pas trop, tu connais. Ensuite, ouh... Donc ça, c'est un gilet gris taupe.
il ressort, je sais pas, bizarre. Il n'est pas gris à la caméra. Genre, je sais pas ce que vous voyez. À part si vous voyez gris, c'est moi, mes yeux, ils sont caca. Ça va. Matière coton. Il y a un mélange de polyester. Ça se voit, ça se sent. Donc, j'apprécie pas trop. Parce que, bref, c'est un truc que j'aime bien, le coton, même, surtout quand tu portes des vêtements. Mais sinon, après, c'est le polyester et le mélange de coton. C'est pas forcément très dérangeant. Je sais pas, il m'a l'air un peu petit pour un M. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir constater. Je sais pas, je l'imaginais un peu plus oversize. Toujours du M. Normalement, de base, il était à 12,99€, donc 13€. Et je l'ai eu pour 9,75€. Ah, du coup, on va passer au prochain article. Donc ça, c'est normalement, c'est un ensemble de jogging, clairement. Et c'est le seul truc que j'ai pris en L parce que je voulais vraiment... Parce qu'en fait, clairement, fille, garçon, là, c'est pas mon problème. Il est hella et magnifique. C'est un jogging, mon gars. Donc si t'es une section fille, ça, c'est ton dos. Mon gars, aujourd'hui, la mode, je pense qu'ils font trop des trucs, ouais, mix. Et que c'est une coupe de jogging, wesh. C'est un jogging, quoi, mon gars. Où tu l'as acheté, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? La couleur, elle est magnifique, clairement. Et je l'ai pris en L, par contre, c'est le seul que j'ai pris en L. Parce que je voulais vraiment qu'il soit gros et que j'ai peur qu'il se taille un peu petit. Normalement, il était à 21,49€ et il m'est revenu à 16,01€. Je trouve archi beau. Vraiment, vraiment. Il y a des lacets, au moins dans celui-ci. À l'intérieur, il est bien rembourré. Vous voyez, ça, c'est un vrai jogo pour 16€. Bon, je vous ai montré le bas, tandis que je vous montre le haut. C'est un vrai jogging. Je sais pas si vous allez avoir. Moi, j'ai un joli petit verre. Comment dire ça? Un petit verre pistache avec du lait, si je peux dire ça. Moi, j'aime bien. Il est canon. J'aime bien. Je trouve que la couleur est un peu fade à la caméra. Je crois que c'est tout pour les vêtements. Ouais. J'ai vu une petite commande de vêtements. Vraiment, c'était vraiment pour tester vraiment Chine. Parce que j'avais jamais... Enfin, ma soeur l'avait déjà testé. Il n'y avait pas de problème. C'était juste des articles. Après, vous voyez, chez les filles, toujours moins cher. Et généralement, ils ont toujours des jolis petits trucs avec de la bonne qualité. Ça dépend où, toujours. Mais vous voyez quoi. Et je voulais vraiment tester pour les hommes. Parce que, wesh, il n'y a pas de vidéo qui parle des hommes. Et je trouve que c'est vraiment un site. Ben, tu peux trouver de tout. Il n'y a pas de problème. Et super abordable. Donc, du coup, pour les vêtements, on a terminé. On va passer à peu près aux accessoires. Alors, j'ai pris une casquette. Elle est... Il y a écrit Indian Skeleton Dink. Je sais pas vraiment ce qu'il y a écrit, je sais pas ce que ça veut dire, mais je la trouvais très jolie. Bon, je vous laissais déjà là, mais parce que c'est une casquette, quoi, je m'en fous. Même si je pense que je vous ferai un try-on à côté parce que je suis un forceur. Bon, mes cheveux là, ils sont pas bien mis en dessous. Mais je trouve qu'elle me va bien. Je la trouve canon, je pense qu'elle va passer avec tout. J'ai pris du maillot noir pour que ça passe avec tout. Elle est réglable derrière, avec la maille et tout. Ouais, des petits effets déchirés par-ci par-là. Moi, c'était une petite casquette, quoi. J'aime bien les... En ce moment, je voulais mettre des casquettes, je sais pas pourquoi. Or que j'étais archi Bob. Je sais pas si vous les voyez là, mais j'en ai quelques 4, 5, 6 Bob. Cet été, je voulais grave être casquette. Donc bon, taille unique qui était de base à 3,50€ et qui m'est revenu à 2,63€. Donc franchement, 2,63€ de casquette. On va pas cracher dessus. Niveau toujours accessoire, j'avais pris un sac. Ouais, c'est lui. Ouh, bien protégé, hein, vous avez vu. J'espère que vous... Je sais pas si j'ai bien déballé. Bref, il y avait un plastique, il y avait un truc encore autour de lui. Et bref, il est magnifique. Genre, c'est un petit sac imitation genre. Je sais pas si vous avez déjà vu quel sac duquel je parle. Bon, je crois qu'il est un peu plus grand, le vrai. Enfin, le Dior. Une petite anse. C'est du plastique, hein. En noir, comme ça. En maille. Non, c'est une chaîne. Je sais pas. À vous de me dire. Il y a une grande anse aussi. Pour le mettre en bandoulière, du coup. Je l'imaginais légèrement un petit peu plus grand en photo. Ouais, légèrement plus grand, je sais pas. Légèrement, je sais pas. Mais ça va, c'est une petite taille petite mignonne. Je vous mets try on toujours à côté. Comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Tu connais. Bref, tu fais ta vie avec le sac. Il était de base à 11€. Il m'est revenu à 8,26€. Petit sac noir, ce qui fait pas de mal. En simili-cuir. En plus, un cuir mat. Je sais pas si vous voyez une belle valeur perçue, mais moi, je trouve qu'il est très joli. Même au niveau des finitions. Si on veut chipoter, il y a vraiment un fil qui sort ici, là. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vraiment, au niveau finition propre, il y a une bonne valeur perçue, je trouve. Enfin, bref, on va passer au niveau des colliers. Je sais pas, en fait, je voulais vraiment tout tester, vraiment, sur Chine. Genre, je me suis dit, je vais prendre un peu de tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pris. Il y a des coques de téléphone, trucs pour AirPods, aide à l'entretien de la skincare. Moi, je voulais tout tester, voir ce que ça donne. C'est lequel, celui-là? Écoutez, normalement 2€. Je l'ai eu à 1,51€. J'ai envie de savoir si c'est de l'aluminium. Attendez. Aluminium rond doré occasion. Avec mon dentif, multitâche. Je crois pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Bon, du coup, il n'y a pas écrit acier inoxydable. Donc, du coup, c'est écrit aluminium. Donc, je pense qu'il va se décolorer. Et pour éviter qu'il se décolore, allez voler à votre daronne, à votre sœur, à votre chérie, à votre. Eh, hey, je sais pas qui. Même si vous mettez du vernis. Prenez du vernis transparent et mettez un petit coup dessus. Ça se voit pas. Comme ça, vous pouvez aller dans l'eau avec et vous pouvez le garder plus longtemps, mais avec la transpiration, pas que ça rouille. Et par contre, ce qui est chiant. Par contre, celui-là, je savais. Hein, c'est une chaîne pour 3. T'as capté? T'en mets une. Comme ça remplit déjà ton cou. Genre, il fait pas hors jaune en mode.
tu vois, ça te voit que c'est du faux, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre ça fait un bon petit or. Ensuite, j'ai pris plein de colliers, je sais pas, je voulais grave des colliers. Il était à 2,75€, il y a un petit collier en perles dedans, une autre chaîne un petit peu plus grosse, une plus petite, un pendentif qui pend à celle-ci. Bref, toujours la même technique, un peu de vernis transparent. Par contre, la chaîne, genre elle est toute seule celle-ci, et les trois autres colliers sont attachés. Et je l'ai eu à 2,07€. Ensuite, niveau collier aussi encore, je vous ai dit, j'ai pris plein de colliers, je sais pas pourquoi, hein. Je trouve que ça habille trop une tenue, genre collier, bague, enfin beaucoup. Les accessoires, même un sac, une casquette et tout, tu vois, je mettais des bobs, des trucs comme ça, mais je trouve que ça rapporte un cachet, genre, imaginons que tu te mets un ensemble de jogging, t'as un sac, t'as une casquette, tu vois, t'as un petit collier qui sort et tout, mais t'es quelqu'un. Attends, des cils. Là, c'est un gros collier en perles, avec des grosses perles, très jolies, avec des épingles à nourrice pour les attaches. Et dinguerie, wesh, c'est des vrais, genre, dinguerie. Le mec, c'est stats pour rien, mais dinguerie, j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Est-ce que je vous dirais de mettre du vernis sur ça? Je sais pas si les perles se décolorent ou pas. En tout cas, normalement, il est à 1,75€ et je l'ai eu à 1,32€. Ensuite, j'ai commandé une petite bague avec un petit serpent. J'avais envie de prendre une bague, mais je sais pas, j'aime bien les serpents. Pardon, faut que je foute. Bon, la bague, vous savez très bien pourquoi je l'ai mis dans ce doigt-là, parce que c'est très insolent. Non, je rigole. C'est une taille unique, elle était à 1€ normalement, je l'ai eu à 0,76€. Ensuite, on va passer au niveau accessoire du téléphone, donc j'ai pris deux coques, et je l'ai trouvé trop belle. Jeune Uchiwa, ils nous ont rien donné. Si vous connaissez pas, une rêve que vous devez avoir si vous connaissez pas le son que j'ai chanté, vraiment. Et bref, vous connaissez mon... Enfin, vous connaissez, je pense que vous savez pas, sur YouTube du moins, mais j'ai un amour pour... Naruto, mon animé préféré. Le sang de la veine, t'es le chouchou, vraiment. Magnifique la coque. Elle était à 1,25€ et elle m'est revenue à 94 centimes. Les petits nuages. Si vous savez pas c'est quoi, je peux pas vous dire. La deuxième coque, je l'ai prise en marbre. C'est un marbre vert. Elle est ratade. C'est une... Tu vois comme elle est rigide ou pas. Elle m'a coûté 1,25€ de base et elle est revenue à 94 centimes aussi. Bref, magnifique. Je la trouve trop belle. Ensuite, parce que on aime Naruto ou on n'aime pas Naruto, ma belle, j'ai envie de te dire, là, j'ai pris une coque de AirPods. Les petits nuages de la Katsuki. Trop BG. Parce qu'en fait, c'est plus ça qui m'a choqué. Je me dis, mais pourquoi c'est pas collé? Ah non, crari. Ah, ça tient, j'ai rien dit. Bref, j'aime trop. Pour aller avec, du coup, la coque en question, elle m'a coûté 1€ de base. Il est revenu à 0,76€. Du coup, une deuxième coque pour meilleur pote pour aller avec la coque verte. Celle-ci, elle m'a coûté 0,75€ et c'est du silicone. Hein. Elle est revenue à 57 centimes. J'ai envie de te dire, de 75 à 57, c'est bénef. Elle aussi, elle est en deux parties. Enfin, pour aller ensemble, tu connais, mais c'est pas trop le même vert, j'ai fait exprès. Mais il était moins... genre, vert. Il était plus... doux, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Ensuite, donc au niveau de la skincare, j'ai déjà une brosse nettoyante pour visage que j'avais acheté à The Body Shop. Et la brosse, c'est une brosse en bambou, je crois, elle m'a coûté 10 balles. De base, il y avait écrit 5 euros, mais quand je viens pour. Parce que tu vois, elle était mal rangée. Quand je la prends, je vois, j'arrive à la caisse, elle me dit 10. Et moi, je suis le genre des personnes que j'aime pas, genre, aller redéposer. En plus, je suis déjà en caisse, c'est-à-dire que je voulais vraiment, tu vois ce que je veux dire. Après, j'aime pas te dire en mode ah, ben finalement, je ne prends pas. Donc, du coup, je suis un pigeon et je l'achète. Enfin, bref, j'ai commandé une brosse nettoyante. La brosse The Body Shop, elle fait très bien le taf. D'ailleurs, je pense que une skincare qui va venir parce que je trouve que je me suis bien battu contre mon acné et j'aime bien les produits que j'utilise. J'utilise pas grand chose mais je pense que ça peut vous aider. C'est une brosse tournante qui fonctionne avec des piles. De base elle était à 3,50€ et elle est revenue à 2,63€. Je l'ai pris en tout blanc, faut pas déconner. Il y a plusieurs embouts, vous avez un petit tampon en mousse, vous avez des boules de massage. Bref, vous avez un kit quand même assez complet, franchement, je vais pas vous mentir. Je sais pas à quoi ils servent tous ces embouts. Vraiment, moi j'utilise que lui qui nettoie ma peau. Et je sais qu'au moins, genre si tu veux masser ta peau, tu mets tes soins, ton huile, ta crème hydratante. Tu sais que tu peux utiliser celui de massage avec les 4 billes. Moi je vais le mettre comme ça, vous allez comprendre ce que c'est. Je vous tiendrai au courant, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mon story au niveau de tous mes articles, comment je les trouve, comment je les porte, s'ils tiennent bien. Et toujours en skincare aussi. J'ai regardé pas mal de vidéos sur les pierres de Gua Sha, Jade. Précisément, je trouve ça archi bien. Malgré une bonne skincare, je trouve que masser son visage, je sais pas, genre en mode, ça aide à vraiment pénétrer les produits. Et je trouve que depuis que j'ai commencé à même masser mon visage avec mes mains, que ma peau elle a un autre résultat, je sais pas, de la vidéo que vous avez vue avec notre meilleur poufi Elia à cette gueule-là. Ma belle, il y a eu du travail, vraiment. Et je trouve qu'il y a vraiment quand même une belle évolution au niveau de la peau. Je sais pas si vous le remarquez ou pas. Enfin bref. Et je voulais trop tester tout ce qui est pierre de Gua Sha, tout le tralala et tout. Et j'ai vu ça sur Shein. Du coup, j'en ai pris une. Elle arrive aussi dans un petit étui.
donc assez propre. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais je pense que dans la skincare routine, je vous expliquerai comment vraiment ça fonctionne plus en profondeur. Au niveau des comme ça, vous remontez, vous massez bien votre visage, comme ça, sous les yeux aussi, ici. Et en fait, normalement, c'est une pierre, la pierre de Gua Sha, c'est une pierre de jade qui a des vertus vraiment, elle est toujours fraîche. On peut la mettre au frigo pour être ça encore plus fraîche et qu'on ait un effet encore mieux. Et là, c'est du plastique. Je pense que je le mettrai au frigo, ça fera le taf. Je vous dirai tout dans la skincare parce que du coup, comme j'ai ouvert mon colis aujourd'hui, je vais la tester. Elle était à 2€ de base et elle m'est revenue à 1,51€. Et eux, ils appellent ça une pierre planche à gratter pour visage. Je vois pas comment tu peux gratter ton visage avec ça. Ah, quoique. Ah ouais. Genre, il y a une partie ici, genre... Ah, vous voyez l'effet un peu... Ben là, et bref, c'est comme si c'était découpé et tout, genre... vous avez capté. Vous avez vu, vous avez capté. Je veux rien savoir. Non, vraiment, vous n'êtes pas cash-up ma veste. Enfin bref, et voilà une conclusion de ce haul. Je suis assez content de ce que j'ai commandé parce que c'est moi je les ai choisis. Encore heureux, j'ai envie de te dire. À part au niveau, bah, comme je vous dis précédemment, au niveau de quelques matières, des deux suites. Normalement, c'est un suite. Genre, vous voyez déjà, vous voyez comment la matière elle est. Vous avez capté. Lui, il me fait peur au niveau de la taille. Enfin bref, bah, j'espère que vous avez kiffé ce petit haul Shein entre guillemets homme. Eh, c'est mix mon gars parce que tout le monde peut porter ce que j'ai pris. Commencez pas à dire des trucs. Je vous aime, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez la cloche de notification. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Et mucho mucho love. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est que du love. J'ai acheté un micro, j'espère que la qualité elle sera meilleure du coup, la qualité sonore. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec tous les... Et voilà, bah, je crois que j'ai plus rien à vous dire. J'ai vérifié encore une fois si j'ai tout montré. Voilà, je vous aime. Ciao.